l'hermine et l'hiver. Un jour d'hiver, alors que la forêt était recouverte d'un beau manteau blanc, l'hermine se promenait pendant que ses amis dormaient en attendant le retour du printemps. « Que vais-je bien pouvoir faire ?» se demanda-t-elle. « Je m'ennuie toute seule. » Elle essaya bien de réveiller quelques-uns de ses amis, l'écureuil, le hérisson, mais elle n'y parvint pas. « Bon, se dit-elle, puisque tout le monde dort et même Hector, le grand ours, je vais en profiter pour le taquiner. » Elle s'approcha doucement du museau d'Hector et souffla très fort. Celui-ci, qui ne dormait que d'un œil, poussa un grognement de mécontentement si impressionnant que l'hermine devint toute blanche de peur et s'enfuit à toutes pattes. Cependant, en se promenant ainsi le poil tout blanc, elle s'aperçut qu'on ne la remarquait pas et pouvait facilement échapper aux loups et aux renards. C'est pourquoi, maintenant, l'hermine garde son manteau blanc l'hiver en se faisant peur toute seule.